Alors, c'est gâteau sans patin. Bonjour Mario. Ça va, non, t'as un petit mardi. Là, vous êtes mêlés, Mario. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, mais c'est épouvantable, c'est écrasant. Qu'est-ce qu'on relève, c'est mercredi? Mais... De toute manière, ça ne change jamais rien. C'est pas en journée pour être traîneuse. Voulez-vous bien me dire que c'est qu'il y a de spécial aujourd'hui dans la journée? Aujourd'hui, c'est la journée qu'on va savoir de la part de M. Savoie du concours du meilleur bureau de l'année, si qu'on en est en année finale ou qu'on n'est pas. Le concours du bureau de l'année? Ben oui, concours du plus bureau de l'année, organisé par la Chambre de commerce en collaboration avec le médaille d'or, le Kiwanis et les chevaliers de colon. Heureusement que je suis là pour en parler. Heureusement que je suis là pour mousser notre publicité auprès de la Chambre de commerce. Heureusement qu'il y a des cerveaux qui pensent dans cette maison-là. Mario, vous avez échappé quelque chose. Ah, merci. Heureusement que je m'en suis aperçu. Votre cerveau ne s'en serait pas rendu compte. Ah, ben oui. Nous sommes sur la liste des finalistes, mais c'est une excellente nouvelle. Je tenais à vous le communiquer personnellement, car je voulais que vous soyez prêts à toute éventualité. C'est ce matin que le jury fera connaître le nom du bureau gagnant. Si je comprends bien, nous avons des chances d'être choisis le bureau de l'année pour 78. Ah, au même titre que les 5 bureaux finalistes au Québec. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Et vous connaissez comme moi l'importance de ce concours. Ah oui, c'est très prestigieux pour nous, pour nos artistes et tous ceux avec qui nous faisons affaire. En tout cas, je suis heureux de constater qu'à première vue, votre bureau semble correspondre aux critères d'excellence que nous exigeons. Ah, tant le bureau que mes employés eux-mêmes. Tout dans mon entreprise doit fonctionner à la perfection. Et vous pouvez être fier aussi de votre comptable, un certain... Mario Duquette, oui. Que je n'ai pas rencontré. Mais on me dit qu'il a poussé votre candidature avec un zèle remarquable. Ah, ben, monsieur Duquette est le type même du jeune cadre agressif que toute entreprise rêve de compter parmi son personnel. Eh bien, bravo, bravo, mon cher Lemay. Et j'aime aussi la distinction qui règne ici. Hein? Tous les employés sont remarqués partout et toujours pour leur distinction. Ah, c'est Tiens, c'est un homme qui fait le ménage ici. C'est le gérant du building qui décide ça. Ah, bon. Ah, patron! Bon, patron, n'oubliez pas que c'est aujourd'hui que M. Savoie, du le bureau là, de l'année, là, va venir nous visiter. Puis moi, en tant que Mario Duquette, j'aimerais beaucoup l'impressionner. Vous êtes Mario Duquette? Oui, oui, c'est moi. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Mais patron. Je suis M. Savoie. Ben oui, ça me fait bien plaisir. Pas M. Savoie du... Oui, en effet, du concours, le bureau de l'année. Oui, par ici, M. Savoie. Oui, un instant, c'est bien vous qui avez moussé avec beaucoup de zèle la candidature de ce bureau. Hein? Oui, 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 mais là, ce qui arrive, c'est que si je suis de même, c'est parce que Mme Galiépi, notre nettoyeuse, est dans un retard. Hein? C'est-à-dire qu'elle a rapporté malade. Oui, elle a, hein, a donné... elle a donné sa démission. Fait que moi, en attendant, je donne un coup. Alors, préparez-vous à avoir une réponse dès ce matin, hein? Parfait. Si je comprends bien, vous n'avez rien à voir avec la décision du jury. Oh, mais pas du tout. Actuellement, le jury délibère. Ah, mais oui, c'est bête. Vous excusez la conduite un peu étrange de Mario Duquette. Mario Duquette, ah, lui, oui, oui. Il est formidable. Ah. Pousser la conscience professionnelle jusqu'à faire le ménage lui-même, c'est rare, mon cher Lemay, très rare. Gardez-le longtemps à votre service. Oh, ben, c'est bien mon intention. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Niaiseux, un patron, est tout détruit. Mais non, Mario. Ah, vous dites juste ça pour me consoler, mais dans le fond, je le sais, vous devez être enragé. Mais pas du tout, Mario. Au contraire, tu pousses la conscience professionnelle jusqu'à faire le ménage. C'est rare, ça, Mario. Ouais. C'est très rare. Ça, c'est... Vous croyez pas?
Je te le dis. Oh. Ben tiens, pour te le prouver, je vais t'aider à faire le ménage. Ah, oh, j'ai donc. Oui. Ah, ben yeah. Si tu veux te faire ça, pousser ça vers mon carrosse, moi, j'ai pas poussé, moi, tout à moi. C'est ça, ça va me donner une chance de faire d'autres choses. Patron! Mario, qu'est-ce qui arrive? Ben, j'aide Mario à faire le ménage, hein, Mario? Oh, oui, il vient juste de me convaincre que j'ai pas ruiné nos chances d'être élu le bureau de l'année. Le bureau de l'année? Ben oui, l'organisateur du concours, le bureau de l'année, sort d'ici. Il paraît qu'on est en finale. Voyons donc, patron. Vous allez pas vous mettre à croire le Père Noël, à votre âge? Oui, mais le monsieur nous l'a dit qu'on était dans la finale, on avait des chances. Et puis après, qu'est-ce que ça change, ça? Patron, ces deux-là, ils comprendront jamais rien. Ôtez votre veston, aidez-moi à faire le ménage. Certainement, Mario. Mario! Oui? Mon veston. Excusez-moi. Là-bas. Selon Sylvie, il ne faut pas s'attendre à faire des gros profits durant cette tournée-là. Tu me suis, là, Mario? Bon, alors, je propose que tu nous fasses des prévisions budgétaires pessimistes. Comme ça, on pourra faire ensemble. Bureau Jean-Jacques Lemay, bon... Le bureau de Jean-Jacques Lemay, bonjour. Ah non, Tidor, c'est pas le temps, là, je poignais au bureau, là, j'ai déjeuné causé, j'attends le téléphone le plus important de l'année. Mario, cesse de t'inquiéter avec ce concours-là. On est tout de même pas pour rester suspendu au téléphone toute la journée. Hein. Il faut que le travail continue. Bon. Alors, je continue. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est des prévisions budgétaires pessimistes afin que nous sachions, que nous puissions décider si oui ou non nous allons pouvoir... entreprendre cette série de spectacles-là. Tu m'as bien compris, là? Ah oui, c'est... Bon, alors... Patron! Quoi? Patron, c'est Monsieur Savoie, du concours du bureau de l'année. Mais... Hein? Oui. Monsieur Savoie? Oui. Allô? Oui, Monsieur Savoie? C'est vrai? Ah! Oh! Ah, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Savoie. Ah. Merci. Au revoir. Ah. Mes enfants, le bureau vient d'être proclamé le bureau de l'année. Grâce à notre efficacité, notre productivité et aux relations humaines qui règnent dans ce bureau. Oui, Sylvie, notre bureau vient d'être proclamé le bureau de l'année. Bravo, patron. Hein. D'après moi, Sylvie, t'as très mal calculé tes affaires. Hein. Cette tournée-là pourrait être drôlement rentable si on éliminait seulement quelques villes. Pour moi, là, ils s'en rendent pas compte. Le bureau de l'année. Oui, on s'en rend compte. Mais là, voyez-vous, on est occupés. Oui, t'as peut-être raison. On va éliminer. Ben, on va le dire, on peut enlever ça. Patron, pour moi, ça lui passe six pieds par le charrette. Les productions Jean-Jacques Lemay? Oui? Il est ici, oui? Je vous le passe. Patron, c'est le bureau du premier ministre qui vient d'apprendre la grande nouvelle. Et le premier ministre tient à vous féliciter personnellement. Je vais aller prendre l'appel dans mon bureau. Les productions Jean-Jacques Lemay, bonjour. Oui? Oui, il est ici. Un moment, je vous le passe, M. Duquette. Mario! Oui? Mario, c'est le bureau de l'autre premier ministre. L'autre premier ministre voudrait féliciter le bureau personnellement. On va prendre l'appel dans mon téléphone. L'agence Lemay? C'est ici, oui. Mais? Tout ça pour nous? Eh oui. Et moi aussi, j'aimerais vous féliciter. Merci, hein? Merci beaucoup, là. Ben, ma petite Sylvie. Sylvie, te rends-tu compte? Le bureau de l'année. Oui, Sylvie, regardez ça. Les locataires de l'immeuble qui nous envoient ça pour nous féliciter. Mes enfants, le premier ministre nous envoie ses félicitations à tout le monde. C'est extraordinaire.
Mes enfants, le premier ministre nous envoie ses félicitations à tout le monde. C'est extraordinaire! C'est extraordinaire d'avoir deux premiers ministres. Ne bougez pas. Ça va faire une photo épatante. Le bureau le plus sympathique du pays. Ah, je ne veux pas m'imposer trop longtemps. Je veux simplement vous féliciter au nom du concours et vous rappeler que la présentation officielle du Grand Prix aura lieu demain soir au complexe Desjardins devant les caméras de l'émission L'Heure de Pointe. Alors je vous demande tout simplement de choisir parmi vous un représentant à qui je remettrai le trophée et qui sera interviewé par l'animateur de l'émission L'Heure de Pointe, Winston McQuaid. Alors au revoir, encore nos félicitations et merci. Venez, venez. Au revoir. Bye. L'Heure de Pointe. C'est fantastique. Notre représentant va aller chercher le trophée. Puis, il va être interviewé par Winston McQuaid. Va falloir bien le choisir, notre représentant. Il va falloir choisir le plus représentatif. Bon, bien, moi, je vais retourner à mon travail pour que tout soit parfait, tout finir, que tout soit très bien, comme d'habitude. Et moi, je vais retourner à ma tournée que je suis en train d'organiser. Vous avez raison, tous les trois. Je vais modifier mon plan initial en tenant compte de vos conseils. Et vous verrez une fois de plus que vous aurez raison d'être fiers de moi. Eh bien, moi, de mon côté, je vais retourner à mon travail habituel, qui consiste, comme vous le savez, à maintenir les contacts avec tout le monde dans le meilleur intérêt du bureau. Bref, à représenter le bureau en toutes circonstances, les grandes comme les petites. Bon, ben, au travail, mon Louis. Eh bien, quant à moi, je vais retourner à mes dossiers qui m'accaparent 24 heures par jour, comme vous le savez. Je ne peux laisser aller des choses à la légère. C'est moi qui détiens les cordons de la bourse. C'est comme dans un coffre-fort. Comme vous le savez, je m'intéresse à des industries connexes auxquelles je donne mon sang et mon eau, dont le concours du plus beau bureau de l'année, avec le succès que l'on sait. Et qui plus est. Et moi, mes chers enfants, je vais aller consulter mon horaire pour voir si je peux aller à l'heure de pointe demain soir. À moins que je délègue un d'entre vous. Mais ça m'étonnerait. Mon cher Winston, eh bien, je voudrais te remercier au nom de tous mes camarades de bureau pour ton invitation à venir à l'heure de pointe. Le trophée du meilleur bureau de l'année, on l'a décroché à cause de l'harmonie qui règne entre nous. Sylvie, depuis ce matin, j'arrête pas d'y penser. À quoi donc? Ben à l'heure de pointe, à Winston McQuaid. Oh, mon Dieu, tu trouves que t'as du temps à perdre, franchement. Il me semble que ce serait touchant que ce soit moi qui reçoive le prix. Moi, l'employée la plus modeste. Ça montrerait qu'il y a des bonnes relations dans le bureau, que c'est humain, que personne n'est exploité, que... Huguette, tu vas pas recommencer ça? Pour représenter le bureau, il faut au moins avoir fait quelque chose de valable, d'important. Je savais que tu dirais ça. En tout cas, imagine-toi pas que c'est toi qui vas y aller. Pourquoi pas? Parce qu'une secrétaire téléphonée, c'est plus important pour faire marcher un bureau qu'une fausse experte comme toi qui passe sa journée à faire semblant de travailler. Et qui, tu t'en prie, tu me rappelles ça, hein? Les productions Jean-Jacques Lemay, bonjour. Oh oui, un moment, s'il vous plaît. Pourquoi? Merci, Huguette. Oui, allô? Ah, c'est toi! Eh oui, le bureau de l'année, oui. Ah, je te remercie. Ah ben non, je suis pas le seul tout à fait responsable. Demain à 5 heures, non. Non, je pourrais pas demain à 5 heures. Non, je vais devoir probablement représenter le bureau pour recevoir le trophée, oui. Eh oui, à l'heure de pointe. Bon, bagatelle. Ouais, ben, il faut que je me dévoue, hein. Ben, c'est ça. Ciao! Je gâche que t'es encore allé lécher les bottes du patron, toi, comme d'habitude. Pas du tout, voyons. Alors, comment ça se fait que c'est toi que le patron a délégué? Ben, le patron m'a rien dit à ce sujet-là, les petites filles. Alors, pourquoi tu fais le genre?
Ben parce que j'ai des antennes. Je sens les choses. C'est ça quand on est important. Regarde bien ici. Voulez-vous me dire ça sur un autre temps, s'il vous plaît? Faut que je te dise que la licitation que je vais donner à l'ordre point demain quand je recevrai le trophée du meilleur bureau de l'année au talent de l'agence Lemay tout entière. C'est vous que le patron a délégué? Viens t'en, Mathilde. Mario, Huguette t'a posé une question. Qu'est-ce que t'attends pour répondre? Vous savez que je suis le mieux placé ici dans le bureau pour parler de l'homogénéité qui règne. Tu veux dire que t'es le mieux placé pour aller faire rire de toi devant les caméras de télévision? Quand est-ce que vous allez comprendre que c'est une femme comme moi qui peut le mieux parler de la chaleur et de la qualité des rapports qui existent ici au bureau entre nous? Et pourquoi pas une femme comme moi? Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. 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 Bon, j'ai quelque chose d'important à vous dire concernant la remise du trophée à l'heure de pointe. Monsieur Savoie m'a rappelé pour me dire que si on veut, on peut y aller tous les cinq. Voyons, qu'est-ce que vous avez à faire cette tête-là? En tout cas, comptez pas sur moi pour y aller, ça ne m'intéresse pas. Moi non plus. Je trouve que ce sont des enfantillages. Moi non plus, j'irai certainement pas niaiser à l'heure de pointe pour recevoir un trophée ridicule. Ben, dans ce cas-là, si c'est comme ça, on n'ira pas personne chercher le trophée. Je vais téléphoner à M. Savoie, puis je vais lui dire qu'on ne le mérite pas. Non! Écoutez, patron, je vais me sauver. Je vais y aller pour sauver le déshonneur du bureau. C'est ça, Mario. Tu iras. Alors, M. Duquette devrait être là d'une minute à l'autre. Est-ce qu'il est le seul à venir à l'émission? Il semble que oui. Vous comprenez, c'est un bureau remarquable à tout point de vue, et en particulier pour la délicatesse qu'il se manifeste les uns envers les autres. Ah, M. Duquette! Eh bien, permettez-moi de vous féliciter encore une fois. Voyez-moi, toute la joie est avec moi dans mon cœur. Alors que je vous présente l'animateur de l'émission L'Heure de Pointe. Ah, bonsoir, M. Duquette. Et farceur! Alors, Winston McQuaid aimerait bien qu'on se mette d'accord sur une marche à suivre pour la remise du trophée et pour l'entrevue, n'est-ce pas, Winston? On pourrait peut-être commencer par l'entrevue. Avec grande joie, d'ailleurs, j'ai préparé un petit galimatia pour éviter des bavures et dire des niaiseries. Alors, je vais vous le lire, si vous voulez. Organisateur du concours du bureau de l'année... Amis venus ici au complexe des jardins aujourd'hui, ainsi que tous ceux qui me regardent dans l'auto, à la télévision et à la maison, c'est avec grande joie dans le cœur et beaucoup de cœur dans ma joie que j'ai accepté d'être l'unique récipiendaire de ce merveilleux trophée donné en tant que le plus beau bureau de l'année. Ah, je crois que je fais l'ordre. Je pensais, je faisais du magasinage comme ça. Voilà. Mademoiselle Huguette Lafleur, secrétaire téléphoniste du bureau de l'année. Bienvenue, bravo. Venez vous asseoir avec nous. Voilà. Si vous insistez. Ben oui. Merci. Ça sent bien que je te supposais être seule. Bah, plus on est de fous, plus on s'amuse. Monsieur Winston. Évidemment. Bonjour. Ah, Sylvie. Ayant pensé, je me suis dit que ma veste était ici, oubliée de mes chers petits camarades. Vous avez très bien fait, Sylvie. Vous connaissez Winston, n'est-ce pas? Ah oui, on s'est déjà rencontrés. Bonjour. Bon. Eh bien, à toi, je suis certaine qu'on va faire une excellente entrevue. Oh oui. Oui? Oui. Ah, oh, c'est une bonne idée d'être venu, toi aussi. Bonjour, Monsieur Savoie. Bonjour, oui. Bonjour, Winston. Bonjour. Eh bien, comme le patron avait décidé de ne pas venir, je me suis senti un peu obligé de faire acte de présence. Ah, c'est tellement fin de ta part. J'espère que je suis pas trop en retard. Oh, on a tout notre temps. Bon, ben, je suis à votre entière disposition. Est-ce que je vois... je suis le dernier? Mais voyons, Jean-Jacques, c'était pas nécessaire de vous déplacer, voyons. Au contraire, c'est une excellente idée. Mon cher Lemay, vous connaissez Winston? Évidemment. Félicitations. Bon, merci. Alors, je suis très content. Enfin, toute la petite famille est au grand complet. C'est vrai que c'est une bonne idée. Hein? Oui, très bonne idée. Oui, c'est touchant. Ça va me sauver d'avoir à réciter un discours que j'avais si minutieusement préparé. Puis moi, toute seule, j'aurais été bien trop gênée. Allô,
Alors, dans une demi-heure environ, on va être en ondes et on pourrait peut-être profiter de l'occasion pour un tour d'horizon des questions qui pourraient être posées. Ah, c'est excellent. Excellent. En commençant par M. Lemay, la première question, tiens, l'effet d'avoir reçu le titre de l'année. Eh bien, beaucoup de prestige. Et d'honneur. Et d'honneur, à mon avis, c'est ça qui est le plus important. Et je crois également d'ajouter que l'égime harmonie qui règne dans nos rapports, dans nos relations quotidiennes, de même que le respect que nous avons l'un pour l'autre, ça me semble être la base du bon fonctionnement d'un bureau comme le nôtre. De même que... L'implication personnelle de chacun de nous, le fait que chacun se sente impliqué, c'est très important, ça. Si je peux résumer tout ça, je dirais que... Que nous sommes le bureau de l'année, tout simplement. Et que, si nous voulons continuer ensemble, Je pense que ça va aller comme ça. Hein? Ah, ça va faire une excellente entrevue. C'est rare qu'on voit les membres d'un même bureau aussi unis. Nous sommes fort heureux d'accueillir à l'heure de pointe ce soir un groupe sympathique et un groupe très particulier. Il s'agit en l'occurrence d'un concours qui a été organisé à travers la province. Il s'agit du concours du bureau de l'année. Nous avons avec nous les gagnants, les récipiendaires de ce titre, l'agence Jean-Jacques Lemay. Monsieur Jean-Jacques Lemay est ici avec nous et je pourrais peut-être m'adresser à lui en premier, lui demander les raisons, d'après lui, qui ont motivé la remise de ce titre. Voici Winston. Mais parce qu'ils sont les meilleurs et que notre concours est bien organisé. Il y a ici Monsieur Duquette, Mario Duquette. Bonsoir. Bonsoir. D'après vous, quelles sont les raisons qui ont fait que vous avez mérité ce titre? Bien. Mon cher Weston, à mon humble et très sobre vie. Mais je vous l'ai dit, Weston, ils sont extraordinaires. Il y a la jeune secrétaire téléphoniste ici, Huguette. Vos réactions à ce prix, à ce titre? Oh, bien moi, vous savez, je joue pas un très très grand... Mais elle est beaucoup trop modeste, mon cher Winston. Je vous l'ai dit, ils sont tous importants dans ce bureau-là. Il y a aussi Sylvie qui fait partie de l'agent Jean-Jacques Lemay. Et vos commentaires, Sylvie? Oh, mais elle adore ça! Mais oui, elle me l'a avoué pendant l'entrevue. Bras droit de Monsieur Lemay, Monsieur Gauthier, Louis Gauthier, c'est ça. Quelles sont vos réactions? Ben, selon moi, notre réussite est attribuable à... Au sens de l'organisation et de l'efficacité. Je vous le dis, ils sont tous sensationnels. Enfin, Monsieur Savoie, quelles sont les raisons qui ont motivé la création d'un tel concours? Ah, bien, je vous dirais simplement, mon cher Winston, que... Si vous permettez, mon cher Western, je crois que c'est sans doute avoir fonctionné une agence comme la nôtre, que oui, M. Savoie est inspiré. L'agence mais... Jean-Jacques Lemay, dans lequel écoutez, je suis ici comme comptable, ainsi que ma collègue Sylvie, en fait, Louis et Huguette, mais nous fonctionnons un peu sur le principe de rendre physiquement possible ce qui est humainement mais réalisable. Mais il n'y a pas que mais cette partie-là, mon cher Winston, nous sommes un peu comme une plante verte qui en fait, voit un courant d'air naître en ses feuilles. Alors, si vous voulez, mon cher Winston, je vais reprendre cette idée-là.